مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. Cela effectivement me fait un plaisir de présenter cet ouvrage qui est effectivement le premier du genre. Très bien. Donc, effectivement, comme M. Loisel l'a dit, le capital immatériel, l'idée d'écrire ce livre m'a été inspirée par le discours de Sa Majesté le Roi en 2014 quand il avait incité les décideurs, en fait tout le monde, à réfléchir sur ce thème et à faire une évaluation sur le capital immatériel. Mais avant de faire l'évaluation, il faut bien choisir et définir ce que c'est le capital immatériel. Et c'est ça ce qui est un peu compliqué à mon sens. Donc tout mon travail a été de le définir. Et c'est par la suite qu'on va pouvoir évaluer. Bon, en cherchant un petit peu dans la littérature de ce que c'est le capital immatériel, j'ai trouvé quelques données, en particulier l'OCDE, qui parle, voilà, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui parle plutôt des actifs immatériels qu'une société peut avoir. Mais c'est toujours dans le domaine économique. Les économistes, plutôt, parlent d'un processus de goodwill, c'est-à-dire vouloir bien faire. Vouloir goodwill, bien faire les choses. Quand on veut bien faire, quand on a la capacité de bien faire, c'est un capital immatériel. Mais ça reste toujours un petit peu limité dans les recherches. La Banque mondiale, de sa part, a parlé de bonne gouvernance comme capital immatériel. Bonne gouvernance. Moi, maintenant, Monsieur le Président, je vais vite parce que sinon, je ne vais pas finir d'ici 2 heures. L'UNESCO, pour sa part, elle a parlé de culture. Elle a parlé de capital patrimonial et culturel. Comme quoi, le capital immatériel, c'est le patrimoine culturel. Le patrimoine immatériel. Voilà. Mais tout cela, ce n'est pas suffisant. Il faut définir ce que c'est ce capital immatériel et donner une théorisation. Comme une conception, de sorte que n'importe qui peut dire ça, c'est un capital immatériel ou non, donner une définition précise. En tout cas, ce que j'ai pensé, et on va pouvoir en discuter par la suite, le capital immatériel est une conception imaginée. C'est l'interface d'une autre réalité qui, elle, est le capital matériel. C'est-à-dire que nous avons une institution. C'est le capital matériel, la matérialisation. Une institution, un hôpital, un tribunal. Ce, c'est la matérialisation. Mais qu'est-ce qu'on en fait à l'intérieur ? C'est ça l'immatériel. Un tribunal n'a de capital immatériel que s'il rend justice. Et l'immatériel, c'est la justice. Un hôpital, c'est une structure matérielle. Mais on ne peut parler de capital immatériel de cette structure que si effectivement il est service rendu du point de vue santé. Quand une structure est là, mais elle ne rend aucun service, il n'y a pas de capital immatériel. Et c'est ça ce que j'essaie de définir, et parce que je dis toujours que le capital immatériel, c'est une notion globale.
elle est caractérisée par sa globalité. C'est une notion complexe. C'est une notion abstraite qu'on ne voit pas. On ne peut la définir que par la fonction qu'elle va rendre, la fonction qu'elle va accomplir. C'est une notion caractérisée par son évanescence. C'est quelque chose qui n'est pas fixe. Elle est volatile. Elle est abstraite. Elle peut disparaître du jour au lendemain. Vous avez, par exemple, n'importe une maison que vous possédez. C'est une matérialité que vous avez. Mais du jour au lendemain, la maison n'est plus habitable. Il n'y a pas de matérialité. Il n'y a pas de capital immatériel. La maison est inhabitable. Du point de vue, si on parle du point de vue global, si on veut chercher la richesse d'un pays, le capital immatériel d'un pays est sa richesse intangible, latente et dont l'expression ne se manifeste que par la richesse que l'on peut exploiter à l'instant T. À un instant donné, nous avons par exemple une richesse, mais on ne peut parler de capital immatériel que si on veut la transformer en richesse qu'on va exploiter à un instant donné. J'ai besoin de cette richesse, maintenant je l'ai. Waouh, c'est capital immatériel. Mais quand une richesse, elle est dans l'absolu, elle est juste dans l'absolu, elle restera dans l'absolu. On ne peut ni l'évaluer, ni la calculer. Et justement, ce capital immatériel, il est caractérisé justement par sa globalité. Parce que ce qui nous est demandé, c'est d'évaluer le capital global. S'il est fractionné, il n'y a plus de capital. Le terme lui-même de capital, il est global. Donc on ne peut le fractionner. Le terme d'immatériel indique qu'il y a une évanescence, qu'il y a une possibilité que ce capital peut être évaporé. Justement, et c'est le caractère évanescent. Pour aller plus direct, le capital immatériel est constitué par quatre pôles. L'art, l'avoir, le savoir et le pouvoir. Ce sont ces quatre pôles qui forment un cercle. Et ce cercle, les pôles sont reliés par un vecteur. L'art est relié par un vecteur à l'avoir. L'avoir est relié au savoir. Le savoir est relié au pouvoir. Mais le problème dans l'immatérialité, c'est que ce vecteur, il peut être à la fois un vecteur de performance. Si vous avez par exemple un art, s'il n'y a pas le savoir, s'il n'y a pas l'avoir, on ne peut extrapoler cet art. Donc le tout est lié. Mais le problème, c'est quand par exemple, il y a l'art. Par exemple, l'art architectural. L'architecture, c'est un art. Mais s'il n'y a pas d'architecte, de ressources humaines, il n'y a rien. C'est le vecteur pour aller de l'art à l'avoir qui fait la performance du capital immatériel. Je vais aller un peu vite. J'espère que j'ai été un peu clair.
il y a une caractéristique, importante. C'est que les pères peuvent jouer les deux rôles, soit le rôle de synergie, soit le rôle d'inhibition. Si par exemple, moi, j'ai un art, l'art politique, par exemple, l'art politique. Mais si par exemple, il n'y a pas de structure où je peux appliquer cette politique, il y a une inhibition. Donc il n'y a pas de capital immatériel. L'art. Pour rentrer dans le pôle, l'art. L'art, c'est la manière. C'est la méthode. C'est une conception. C'est l'imagination. C'est tout ce qu'on peut appliquer comme imagination de l'esprit. C'est l'art. Mais pourquoi il faut commencer? L'art politique. L'édifice politique. Et l'édifice politique est très important. Je donnerai seulement un exemple. Lors de la révolution arabe, deux exemples sont caractéristiques. La Libye et la Tunisie. Quand la Tunisie est rentrée dans sa révolte, il y avait des structures politiques qui travaillaient. Ce n'était pas complètement délabré. En Libye, ce n'était pas le cas. Il n'y avait ni structure politique, ni institutionnelle, ni organisationnelle. Regardez les résultats maintenant. Donc, la structure politique, l'art politique, est un capital immatériel de première importance. Sans rentrer dans les détails que vous trouverez peut-être dans que vous aurez peut-être l'occasion de lire dans le livre, la démocratie est un capital immatériel par excellence. Mais quand la démocratie est mal appliquée, le vecteur devient une inhibition. Le vecteur ne va pas jouer le rôle qui lui appartient. Les pôles ne vont pas fonctionner correctement. Donc la démocratie ne marche pas. Donc nous n'avons pas de capital immatériel. Mais pour exercer l'art, il faut un support institutionnel pour l'art politique. Et nous, on en a ici. Le support institutionnel au Maroc est très important. Nous avons un parlement, nous avons un gouvernement, nous avons une banque, nous avons tout ce qu'il faut pour peu que les autres facteurs, que les autres pôles fonctionnent correctement, tout ira bien. Et le capital immatériel est là, à l'intérieur de ces institutions, quand ces institutions fonctionnent dans le bon sens, quand le vecteur est un vecteur de performance. Un autre capital immatériel au Maroc, qui est de premier ordre, c'est l'édifice religieux. C'est l'édifice religieux. Au Maroc, nous avons Emarat Mouminin, qui est un capital immatériel très important. Nous avons des musulmans, dans le vrai sens, et non pas dans le... Nous avons de vrais musulmans. Par exemple, le Marocain, qui j'ai quitté Debs, que je voulais salat à Nabi, qui se calme. Ça, nous, on ne se rend pas compte de ça. Mais ça, c'est capital. Aussi, au Maroc, nous avons des juifs, nous avons des chrétiens. Nous avons toujours vécu en bon terme avec ces religions. C'est un capital immatériel de premier ordre. Et même que je dirais, la religion musulmane, et le ciment des Marocains. C'est le ciment. C'est un ciment
qui lie les Marocains entre eux. Aussi, ça ce n'est pas nouveau, c'est depuis 14 siècles. La monarchie marocaine existe depuis 14 siècles. Et ça c'est fondamental. On ne peut pas nier. Et la religion, pour démontrer ce que je viens de dire, elle a été un facteur négatif dans plusieurs pays. Regardez ce qui est arrivé au Soudan. Elle l'a fractionné en deux pays. Ce qui est arrivé au Liban. Le Liban est fractionné par la religion. Dans plusieurs pays, il y a un problème de religion. Au Maroc, nous avons ce capital immatériel important qui est constitué par l'édifice religieux. Et non seulement il y a un esprit imprégné de cet édifice religieux, mais également des institutions. Nous avons un ministère qui s'en occupe. Nous avons des mosquées. Nous avons des administrations qui s'occupent de la religion. Nous avons une mosquée. Alors, dans d'autres pays, qu'est-ce que tu as fait? Ici, non. Et ça, c'est capital. Ça, ça joue le rôle de ciment entre les individus qui lient la population. Les élections comme Bénin. Aussi, j'ai parlé tout à l'heure du système judiciaire. Le système judiciaire, c'est le nœud du système. Le système judiciaire au Maroc, on a longtemps bien sûr souffert de problèmes, interférences entre politique et la justice, mais maintenant, ça commence à s'améliorer un petit peu. Et notre capital immatériel est à l'intérieur de la justice que les structures judiciaires sont capables de rendre aux justiciables. Moi, comme un des mortels, je vais au tribunal, je me fais justice. Ça, c'est un capital immatériel qu'on ne peut nier. L'art communicationnel, la communication, on n'a pas besoin d'en parler maintenant. Vous connaissez la communication en ce moment et son importance. La presse écrite, la télévision, Facebookiste, tout ça, ça constitue un capital. Mais, justement, quand c'est dirigé dans le bon sens et le vecteur est positif, ça a des conséquences positives. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Le capital structurel. Nous avons au Maroc plusieurs structures. Toutes les structures sont là. Les institutions, gouvernement, tout y est. Mais c'est dans le fonctionnement que le problème réside. Quand nous voulons travailler, on travaille. Je rentre dans un centre de santé. Quand je rends service au malade, il remplit sa fonction. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est une richesse que nous avons. Mais pourquoi je dis que la richesse maintenant qui est contenue dans cette structure et la fonction qu'elle est chargée de remplir, c'est que du jour au lendemain, le centre de santé risque de ne plus avoir de ressources humaines. Il va être délabré. Il n'y aura pas de médecin, il n'y aura pas de travail. Donc, il n'y a pas de capital immatériel. Pour aller vite, il y a bien sûr d'autres l'art culturel,
la culture. Et malheureusement, la culture au Maroc, c'est le parent pauvre. Le parent pauvre de toutes les structures institutionnelles que nous avons. Combien d'intellectuels sont partis sans que personne ne s'en rende compte? Combien, par exemple, d'auteurs, d'acteurs, de musiciens, de tous les arts dont nous avons calculé et capitalisé les richesses? On ne peut pas le faire maintenant. Mais c'est un chantier ouvert. Il faut le faire. Il faut un jour le faire. L'art culturiste, j'en ai parlé aussi. L'art culturiste. La culture physique. Pourquoi la culture physique? Parce que c'est un carrefour multidisciplinaire. L'art culturiste, il rassemble. C'est la richesse par excellence. C'est la santé. C'est l'économie. C'est le commerce, c'est les médicaments, c'est tout. Dans l'éducation physique, on peut tout rassembler. Et si on veut vraiment capitaliser ce domaine, on peut le faire. Mais voudrons-nous le faire? Il y a d'autres points qui seraient bien sûr trop longs de détailler, l'avoir. Parce que nous avons dit qu'il y a quatre pôles. L'art, l'avoir, le savoir et le pouvoir. L'avoir, eh bien, c'est notre possession. C'est ce que nous avons. C'est la géographie. C'est l'histoire. C'est les montagnes. C'est les mers. C'est les ressources minières. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons dans la géographie et dans l'histoire constitue notre avoir. Et ça, on ne peut se rendre compte de l'importance de cet avoir qu'en comparaison avec d'autres pays. Par exemple, nous, au Maroc, on a 3500 km de côte et les mers. Ce sont des richesses inestimables pour le commerce, pour les loisirs, pour la pêche, pour tout. Et si on veut vraiment évaluer la richesse, les richesses maritimes, on n'a qu'à comparer avec les pays enclavés qui n'ont pas de mer. D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde le sait, le problème entre l'Algérie et le Maroc, c'était un canal pour aller jusqu'à la mer. Donc, c'est très important. Le capital histoire, l'histoire du Maroc. L'histoire du Maroc parle pour lui. Avant la bataille d'Isly, le Maroc avait une notoriété très importante. Tout le pays avait peur du Maroc. Et ça me rappelle Madame Ouzani qui vient de dire, pays respecté. Mais après la bataille d'Isly qu'il y a eu un changement de notoriété. Mais c'est aussi l'histoire. Et l'histoire est fondamentale du pays. C'est un capital immatériel pour nous de première importance. Rien que le fait de savoir que 14 siècles d'histoire marocaine, dont à peu près une cinquantaine, si vous aimez, de colonisation, cinquantaine d'années de colonisation, moins. Voilà. Voilà. Ça, c'est un capital immatériel de première importance.
Je passe le capital géographie, le Sahara, pour peu que nous sachions comment exploiter les richesses du Sahara. C'est un capital immatériel très important. Beaucoup d'autres ne l'ont pas. Les montagnes, tout ça j'en ai parlé dans le livre. Mais il y a un point important sur lequel je voulais insister, qui est à la fois un capital matériel et immatériel. Ce sont les ressources hydriques. Hydrique, l'eau. L'eau. L'eau est à la fois. Les deux. Voilà. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est utilisable à vue. Mais il y a des eaux qui ne peuvent être utilisées qu'après traitement. Désalinisation, assainissement. Il y a un capital immatériel à l'intérieur, mais il faut l'extraire. Ça nécessite du travail. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un capital matériel, à la fois matériel et immatériel. Je passe sur les richesses minières, phosphate, voilà. Le pôle savoir. Le pôle savoir, s'il n'y a pas de savoir, il n'y a rien. Voilà, s'il n'y a pas de savoir, il n'y a rien. Et le savoir commence d'abord par la recherche fondamentale. Voilà, recherche fondamentale. Comment peut-on évaluer notre recherche fondamentale au Maroc? Ça, c'est un chantier à ouvrir. La connaissance scientifique. Le nombre de laboratoires que nous avons, le capital de connaissances, combien de scientifiques nous avons. Il y en a. Ça, c'est notre capital immatériel. On arrive aux ressources humaines. Les ressources humaines. S'il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a rien. Et depuis longtemps, on insiste sur ce sujet. L'information, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir produire et reproduire. Je peux produire, mais il me faut reproduire. Je passe, parce que je vais être très longue, monsieur Louzani. Je passe aussi parce que ça va être trop long à... Mais pour revenir au problème de l'optimisation, le taux d'alphabétisation, et moi je parlerai plutôt en ce moment, le taux d'analphabétisme, qui est un vecteur négatif, très négatif pour tous les pôles. Et il s'agit de travailler sur ce problème. Un sujet aussi que j'ai soulevé, c'est celui de la diaspora marocaine. Les ressources marocaines, humaines, d'origine marocaine, que nous avons installées, que nous possédons, mais elle est installée à l'étranger. Comment le Maroc peut-il exploiter ses ressources? Comment peut-il profiter de ses ressources humaines et de ses connaissances qui sont parfois très importantes? Il y a, par exemple, le conseil de RME, il y a un conseil spécial.
Il y a tout un ministère. Voilà, il y a tout un ministère chargé des RME. Mais est-ce que... Et CCM, voilà, le CCM. Mais est-ce que nous... Oui, oui. Mais est-ce que nous, on a pu exploiter tout ça à bon escient? Est-ce qu'on a pu profiter de ce capital immatériel que nous avons en dehors du territoire? Et c'est ça la question. Et j'arrive à l'élite politique. L'élite politique, je pense que je ne vais pas parler de l'élite politique parce que si je vais commencer à parler, je ne vais pas dire de bonnes choses. L'élite politique marocaine, je vous laisse deviner ce qu'il advient maintenant. La pensée critique, par contre, la pensée critique, je vais en parler. La pensée critique, elle a notre capacité à analyser les choses, à la critiquer et à lui apporter des remèdes. Comment on fait au Maroc? Quelle est la pensée critique au Maroc? C'est tout un chapitre très important qu'il s'agit d'étudier. Et c'est chantier qu'il s'agit d'ouvrir parce que quand on voit par exemple, faites une petite comparaison, les festivals de musique. Regardez le nombre de personnes qui vont écouter la musique. Et regardez le nombre de personnes qui vont assister aux conférences scientifiques. J'ai plus de rajouter. Il y a un autre point important sur lequel il faut insister, c'est l'intégration dans la mondialisation. Comment le Maroc a-t-il pu faire pour s'intégrer correctement dans la mondialisation? Nous savons que la mondialisation, c'est une libéralisation des frontières qui devient très poreuse. C'est une libéralisation des idées. C'est une liberté de comportement. C'est une dissipation des frontières. Tout passe à travers les frontières. Ne serait-ce que par le moyen de l'Internet. Comment nous, on peut, avec notre culture, avec notre comportement, intégrer les données qui sont dispersées dans le monde, qui traversent les frontières, on peut les intégrer, les assimiler et les utiliser pour nous, les utiliser pour notre richesse. Comment les transformer en des richesses nationales? Et ça, c'est important. Sur le plan économique, par exemple, le libre-échange. Le libre-échange, il a fait un problème au Maroc. Le libre-échange au Maroc, c'est un problème. Parce que ça nécessite de la compétitivité. Améliorer les structures économiques. Améliorer le savoir. Améliorer les machines, les machines à outils pour la fabrication des produits dont nous avons besoin. Et tout ça, ça a causé beaucoup de problèmes. Mais je pense que, alhamdoulilah, on arrive un petit peu à... voilà. Et j'arrive au quatrième pôle. Et le quatrième pôle, qui est le pouvoir, c'est, si on veut, la finalité du processus. Parce que le pouvoir, c'est le fait de décider. C'est le fait, pour un pays, maintenant je parle à l'échelle du pays, c'est le fait pour un pays de décider souverainement, de produire et reproduire
ses propres matières de consommation, de pouvoir gérer ses problèmes d'une façon autonome. Ça, c'est le pouvoir. Et il y a, bien sûr, en dehors du pouvoir politique dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a le pouvoir militaire. Le pouvoir militaire. Et le pouvoir militaire au Maroc, il est très important. Pourquoi ? La machine militaire au Maroc, elle est puissante. Elle est disciplinée. Elle a une aura. Elle est reconnue comme puissance militaire. En dehors de l'arsenal, du capital matériel militaire du pays, l'armée a une aura. Elle a une aura au Maroc. Et ça, c'est important. Si on veut se rendre compte de l'importance de la puissance militaire au Maroc, il faut faire des comparaisons, benchmarking avec les autres pays, et comprendre que nous avons une vraie puissance militaire. Et ça, c'est un capital immatériel de premier ordre. La puissance financière. Nous savons que l'argent, c'est Goulouha, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas de puissance financière, il n'y a rien. Et nous savons, et les pays, tous les pays le reconnaissent au Maroc, nous avons la Banque du Maroc, qui est une institution très solide. Elle est solide. La puissance financière dirigée par l'institution financière du Maroc, qui est la Banque du Maroc, c'est une institution très puissante. Elle est efficace. Et elle contrôle. Elle fait un contrôle très important des finances du pays. Et la preuve, nous la vivons tous les jours, malgré la crise, malgré les déficits, le produit interne, malgré les pluies qui ne tombent pas, malgré le pétrole qui monte ou descend, les finances du pays sont les finances. Et ça, c'est un capital immatériel. Je passe à un sujet très important, la sécurité nationale. La sécurité nationale, elle a une aura internationale. La lutte contre le terrorisme, tout le monde en sait quelque chose. Plusieurs pays très puissants demande aide au Maroc pour la sécurité nationale. Je ne vous apprends rien là-dessus. Parce que ils se sont rendus compte, les pays occidentaux, qu'au Maroc, la sécurité nationale, elle travaille plus d'une façon préventive et d'une façon curative. La prévention est très importante dans le domaine de la sécurité nationale. Et c'est pas pour rien que le Maroc est un partenaire l'institution de la sécurité. Je vais retenir. Interpol. Non, pas Interpol. Non. Radin Tsukaram. L'instance internationale. Voilà. Avec des Hollandais. Voilà, exact. Voilà. L'organisation de la prévention. Voilà, la prévention, voilà, contre le terrorisme. Sont compris. Voilà.
Mais il y a un truc très important, c'est la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire, elle est à l'ordre du jour maintenant, avec la FAO, avec ce que nous avons entendu. Rien que ce matin, nous avons entendu qu'en Algérie, il y a le tiers de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Ah, oui. Donc, la sécurité alimentaire, elle est très importante. Et le capital immatériel dans ce domaine, c'est l'autosuffisance. Comment peut-on être autosuffisant? Et c'est ça. C'est ça ce qui est important, c'est l'autosuffisance. Parce que même au Maroc, nous importons du blé de. Nous importons toujours du blé des États-Unis. Et ça, nous ne sommes toujours pas autosuffisants. Un autre domaine aussi, c'est le développement durable. Et nous sommes à la veille de la COP 22. Ça, c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que il y va, ici, il y va de l'avenir, pas seulement du Maroc, de tout le monde, de tous les pays du monde. Donc, chaque pays doit participer. Et quand, par exemple, nous arrivons, nous, à participer à ce développement durable, ça, c'est notre capital immatériel qu'on peut, qui se rajoute aux autres. Pourquoi? Parce que capital immatériel, c'est une globalité. Pour peu qu'il y ait plusieurs fractions de plusieurs domaines qui se rajoutent, c'est la richesse. Et le vecteur devient positif. Bon, d'autres points qu'il serait long de détailler, mais en conclusion de cette première partie, nous avons déjà dit que la présence substantielle de la matérialité ne signifie pas qu'il y ait un capital immatériel. Il faut qu'il y ait un fonctionnement. Il faut que nous puissions utiliser notre capital matériel pour qu'on puisse parler de l'immatérialité qui existe. Et le capital immatériel n'apparaît que par la mission ou la fonction que la matérialité est chargée d'accomplir. Que par sa fonction. C'est pour cette raison que le capital immatériel, il est fugace, il est volatile, il est évanescent, il est fugitif, il est éphémère, il est éphémère. C'est pour cette raison. Il ne faut pas s'arrêter de travailler. Il faut travailler tout le temps. Et nous avons, dans la deuxième partie, je vais aller très vite, les choses qui empêchent le capital immatériel de se déployer. Nous avons parlé de la reddition des comptes. La reddition des comptes, excitant la Constitution. Mais est-ce que tout le monde rend des comptes? C'est un chantier de travail. Le droit à l'information, pour pouvoir, pour être responsable,
pour pouvoir demander ses droits, il faut avoir l'information. A-t-on l'information suffisante? A-t-on l'information utile? A-t-on l'information à temps pour pouvoir agir et réagir? Pour permettre aux citoyens d'exercer ses droits et tous ses droits. Il y a une loi qui a été déposée au Parlement sur le droit à l'information. Et elle est toujours stagnante. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le texte de la parution. Non, ma canche. Le mazel. Le texte de la parution. Seulement, ils l'ont tellement conditionné que de l'opérer des bras. Voilà. Il y a énormément de, voilà, de conditions. Le contrôle des finances. Quand on attribue une responsabilité à quelqu'un, surtout une responsabilité financière, et il rend le compte. Mais comment le contrôler? La Cour des comptes, c'est juste dans la Constitution de 2011 qu'elle a commencé à fonctionner correctement. Mais avant, dans la Constitution de 1996, elle est là juste pour la forme. Maintenant, la Cour des comptes commence à avoir des prérogatives, commence à avoir des initiatives, commence à avoir des demandes. Elle demande aux institutions. Maintenant, elle demande aux institutions. Et ça, c'est très important. Le principe de la non-impunité. La non-impunité. Est-ce que dans tous les problèmes qui sont arrivés par le passé, est-ce que on a pu résoudre ces problèmes et que le responsable ait rendu compte de leur responsabilité? Rien n'est moins sûr. Nous avons beaucoup d'exemples de malversation, de dilapidation de biens publics, de corruption, que l'ensemble des politiques appellent FESED. Un terme très global, très général, et qu'on ne peut jamais appliquer sur une action définie. Et il y a un flou artistique qui persiste dans le problème du FESED. Tant il est vrai que le génie humain à l'art de contourner la loi. La loi est là. Mais il trouvera toujours un moyen pour la contourner. Comment contrôler le FESED? La lutte contre la corruption. Il y a d'autres, il y a beaucoup d'autres points. La protection sociale. Il y a un chapitre que j'ai tenu à rajouter. Chapitre très important, celui du conflit du Sahara marocain. Pourquoi je l'ai intégré en tant que pourquoi j'ai intégré le chapitre là-dedans, et tout un chapitre est réservé à ce problème, parce que le problème du Sahara a été pour le Maroc une épine dans le pied. Par la suite, il s'est transformé en une épée de Damoclès pour tous les stratèges et les politiques. Et nous savons
comment on a été malmené par ce problème, par nos voisins, apparents. Mais ceux qui tirent les ficelles, ils sont toujours ailleurs. Pourquoi ? Parce que les enjeux ne signifient pas toujours que c'est le jeu qui mène. Et j'ai bien insisté sur le rôle de l'Algérie, sur les investissements coûteux que le Maroc a entrepris au niveau des provinces du Sud, qui ont coûté des milliards. En route, en électricité, en construction, infrastructure, les ports, le Sud, Pantan, Dakhlal, Yo. Tout ça, ça a été construit par le Maroc. Il y a un investissement énorme au niveau de... qui a pris beaucoup de capitaux et beaucoup d'efforts et beaucoup de richesses du Maroc. Pendant que il y a une guerre entre le Maroc et l'Algérie, et cette guerre, elle n'est pas déclarée. C'est une guerre d'usure. Et on a fait délibérément, pour faire perdurer cette guerre, pour qu'il y ait une hémorragie de richesse du pays. Et vraiment, le pays a saigné de ses finances à cause de ce problème. En attendant, il y a eu 40 ans d'économie de rente. 40 ans d'économie de rente au niveau du Sahara. Il y a les organisations, les ONG. Il y a la MINURSO. La MINURSO, 1,6 milliard de dollars en 25 ans. 1,6 milliard de dollars en 25 ans pour la MINURSO. En plus de l'insécurité régionale constante qui persiste dans le parage, il y a une insécurité régionale constante et qui persiste même maintenant. Et nous en connaissons maintenant les causes. Et tout ceci a entravé le développement du Maroc. A saigné le Maroc du point de vue financier. Des capacités d'action. Politique. Stratégique. Et le conflit du Sahara a vraiment dilapidé et là, il a avalé le capital matériel, financier, humain, tout ce que nous avons pour à la place du développement d'autres choses. Ce problème est particulier, mais il a handicapé le capital immatériel du Maroc d'une façon très importante. D'autres problèmes qui handicapent le développement économique, social du pays, ce sont les conflits sociaux. Quand nous savons, par exemple, que nous n'avons pas encore de loi qui réglemente le droit de grève. Et les grèves, les sit-ins, les protestations se font d'une manière anarchique. Nous connaissons beaucoup de bois, d'usines, de fabriques,
qui enferment boutique. Pourquoi? Parce qu'il y a obésité. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre. Et les syndicats au Maroc. Nous connaissons la valeur des syndicats. C'est comme les partis politiques. Ils ne résolvent aucun problème. Tout ça, ce sont des chantiers ouverts. Ce sont des chantiers d'études qu'il faut explorer, exploiter. J'ai parlé aussi de l'économie de rente. L'économie de rente au Maroc. L'économie de rente est un problème très important qui handicape le capital matériel de se déployer et de se transformer en richesse. Nous connaissons les problèmes des sites exploités, de guérimettes, de l'économie de l'informel. Tout ça, ce sont des chantiers de travail qu'il s'agit d'exploiter et d'explorer. Quand nous savons, par exemple, 70% des richesses qui transitent dans le Maroc ne sont pas formalisées, rentrent dans l'économie formelle. 70% des richesses de l'économie nationale rentrent dans l'économie informelle. C'est-à-dire, il y a des rivaux, il y a des mohassabas. Donc, comment on peut évaluer voilà, les deux tiers. Surtout, pour le commun des mortels comme moi, l'État régalien a démissionné. Et ok, la privatisation de la santé, privatisation de l'éducation, privatisation de tout. L'État régalien a démissionné. Donc, comment peut-on sauvegarder notre dignité, notre richesse nationale, si on n'ouvre pas ces chantiers d'études et de travail? Je ne rentre pas dans le problème de philosophie, l'ordre sociopolitique et son asynchronisme. Par exemple, l'ordre politique, il y a un ordre politique. Ah, qu'est la démocratie, qu'est les élections, qu'est une élection, qu'est une élection. Les partis politiques, les syndicats, qu'est une élection. Mais il y a un ordre social perturbé. Il y a un ordre social qui est anachronique avec l'ordre politique. Tout ça, ce sont des chantiers de travail dans lesquels il y a matière à faire, il y a matière à travailler, il y a matière à résoudre. Je passe sur la nébuleuse terroriste. Je passe aussi sur la démocratie en crise. J'ai parlé de la démocratie en crise, c'est juste un mot. Nous savons que maintenant la société politique, elle est là, mais il y a une apathie politique. Il y a 57% des personnes qui n'ont pas voté, ceux qui sont inscrits, 57%. On s'appuie sur les chiffres. Les inscrits, bien sûr, les inscrits. Mais la révolution numérique, elle a entraîné un pléthore de la société civile, un pléthore d'idées, un pléthore d'avis. Tout le monde émet des avis. Sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle.
comment gérer cet anachronisme. Et c'est ça le problème. C'est aussi un problème à résoudre. Et les intellectuels ont du pain sur la planche. Et nous passons aux fléaux sociaux. Les fléaux sociaux. Le suicide. Contrairement à ce qu'on peut penser. Le suicide. Il est fréquent. À chaque semaine, on l'entend. C'est un problème à résoudre. Voilà. Le fléau des addictions. Les drogues et ce qui s'ensuit. Le fléau de la violence. La violence urbaine, violence scolaire, violence contre la femme, violence familiale. Tout ça, ce sont des fléaux. Mais il y a aussi un autre fléau très important et sur lequel on n'insiste pas beaucoup. C'est celui du charlatanisme. C'est un problème aussi sur lequel il faut se concentrer. Et pour conclure, les acteurs politiques, économiques, intellectuels, sont appelés à être mobilisés en permanence, car le monde avance. Et si on n'avance pas, on recule. Tout se passe comme si on est sur un vélo. Quand on arrête de pédaler, on tombe. Pour conclure aussi, une dernière conclusion, ce que j'ai donné ici comme idée, c'est comme si j'ai ouvert des chantiers. Chaque paragraphe est un chantier de travail. Je ne prétends pas avoir résolu le capital immatériel. Je ne prétends pas avoir évalué la richesse globale de ce capital. Mais j'ai ouvert, j'ai donné les clés des chantiers. Il s'agit maintenant de rentrer, d'ouvrir, de rentrer, d'étudier, d'explorer, d'évaluer, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci, merci. Nous la remercions chaleureusement de cet exposé plein d'idées. Et plein d'idées. Ce sont des autoroutes que vous lancez. Hein, pour les chercheurs, pour les penseurs, etc. C'est très important. Mais la question de votre conclusion est toujours là. Comment calculer ce capital immatériel? Comment évaluer nos richesses avec les, lorsqu'on voit les problèmes, les enjeux, etc. Là, vraiment, parce que vous avez... Il y a des questions... Tout à l'heure, on va écouter la salle. Il y a des questions qui m'interpellent. Pour la puissance militaire, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi je vois devant moi un pays dans lequel je me rends très souvent pour mes activités scientifiques, pour mes enseignements, la Tunisie. Mm-hmm. Si la révolution tunisienne a réussi et qui est la première dans le monde arabe, c'est parce qu'il n'y avait pas d'armée en Tunisie. L'armée Ben Ali l'avait écarté complètement. S'il y avait une armée puissante en Tunisie, il n'y aura jamais de printemps. Ça, c'est, les Tunisiens sont d'accord, ils sont contents d'ailleurs. Ben Ali a institué, il a renforcé surtout la police et il a marginalisé l'armée. Ce qui fait que le jour où la révolution tunisienne éclatait, Ben Ali est parti. La police a été démantelée, l'armée était là, mais elle n'a pas de pouvoir, rien du tout. C'est maintenant où ils sont en train de construire et de reconstruire. Alors, d'ailleurs, c'est un collègue à nous qui est tunisien, qui est maintenant, Fahad Hirshani, qui est maintenant ministre de la Défense.
alors, est en train de reconstruire. Ça, c'est très important. Mm-hmm. Contrairement à ce qui s'est passé en Égypte, ailleurs, etc. Parce que la plupart des pays arabes qui ont bougé sont des pays de puissance militaire. Il n'y a que le Maroc, je crois, le Liban et la Jordanie. Les autres pays arabes, tout le militaire. Le Yémen, Charles Assad, c'est un militaire, il a fait ses études au Khak, médical. Hein? Un médecin, mais médecin militaire. Militaire, il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Le Yémen, la Libye, l'Algérie maintenant, qui est entre les mains des militaires. C'est une puissance, mais est-ce que c'est une richesse? Pas de problème. Je ne crois pas que l'armée soit une richesse. L'armée. Matériel négatif. C'est une question que je me pose aussi à ça. L'armée doit être nationale. Si l'armée est nationale, c'est une richesse. Si l'armée n'est pas nationale, ce n'est pas une richesse. D'ailleurs, les Tunisiens maintenant, ça c'est une question aussi. Il y a aussi une autre question aussi qui nous interpelle, etc. Et qui est très important, c'est la reddition des comptes. Le problème des rapports. Personnellement, je l'ai toujours dit, l'Erhma, pas d'excédent, Madame Thatcher. Elle a fait un travail extraordinaire pour l'humanité. Elle l'a laissé. 1979, c'est 1980, elle a fait quelque chose de très important pour l'Angleterre. Personnellement, on l'a fait. Vous allez aux communes, j'ai visité pas mal de choses. Elle a introduit des indices de gouvernance. Parce que lorsqu'elle est venue, cette dame, elle s'est attaquée au problème de l'administration. Sa magistrat vient de parler d'ailleurs de ça. Et d'ailleurs, elle s'est réunie avec 6 ou 7 conseillers privés. Elle leur dit, donnez-moi des ciseaux. Il a fait des cartes. Une grande réunion. Elle leur dit, voilà la fonction publique anglaise. Et la coupé. Moi, j'ai besoin de conception, de gens qui réfléchissent dans la fonction publique subalterne. C'est là l'externalisation. Des peintres qui sont agents publics. Un jardinier, un concours pour devenir jardinier. Et maintenant, en Angleterre, le ministre rentre dans son bureau avec son chef de cabinet. Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de chef d'apparition. Les secrétaires. 3, il faut appeler à une maison de recrutement des secrétaires. Et ils commencent à faire l'entretien. Ils prennent le secrétaire. Au bout d'un mois, au bout de 2 semaines, ils n'en donnent pas satisfaction. C'est pourquoi il a coupé l'arbre sur les pieds des syndicats, parce que les syndicats défendent des petits, pas les gros. Alléluia. Mais il a introduit quelque chose de très important. L'évaluation. L'évaluation. Et l'évaluation est l'obligation de rendre compte. Aucune autorité maintenant qui est nommée est obligée au bout d'un an de donner les comptes. Même que un Wally et Gilles Casa ou un ambassadeur 8 ans, attendez, c'est le chercheur pour savoir qu'est-ce qu'a fait notre ambassadeur en Argentine ou là au Mexique pendant. Il y a 4 ans et 8 ans, c'est M. Chouka. C'est un rapport. Normalement, il doit déposer un rapport au bout d'une mission. Le Wally de Casa. Ils sont très contents, ils ont un Wally dynamique. Au bout de 4 ans, lorsqu'il part, moi je suis chargé, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a pour Casa, qu'est-ce qu'il reste à faire. Si je vous disais, lui, il faut savoir. On ne peut pas nommer quelqu'un. Mais encore, lorsqu'on nomme quelqu'un, on lui fixe des objectifs. D'ailleurs, aussi bien le roi Hassan II que le roi Wahid. Lorsqu'il nomme, il a des objectifs à fixer. Justement, Thatcher, qu'est-ce qu'il a dit à la reine, avec des autorités, vous allez les nommer avec des objectifs bien déterminés. Au bout d'un an, l'Hassan, il y a les moyens. Voilà ce que j'ai fait à Casablanca pendant 1 an ou 2 ans. Ah mais les moyens sont pas suffisants. Ah les problèmes que j'ai. Je continue, ou là je ne continue pas, je dépose le tablier. Enfin, dans le service public. Je prends la gaz, ça leur coûte des salaires. Ou les problèmes qu'il y a, ça fait. Les gens sont là pour avoir des euros salaires. Et avec les problèmes, il n'y a rien. Il faudrait absolument qu'on introduise dans notre système deux choses. Deux choses que
que nos autorités n'aiment pas. Être évalué, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai fait pendant un an? Qu'est-ce que je veux, cela? Et présenter un rapport sur mes activités de A jusqu'à Z. Deux éléments, deux indicateurs essentiels de la bonne gouvernance qui étaient introduits par... Alors, il a fait beaucoup de choses. Alors, il y a aussi une autre chose, mais c'est aussi l'ordre social, la société marocaine. En écoutant le discours royal, et là, ça mérite quand même aussi une discussion là-dessus, même un thème très important, les relations entre l'administration et le public, nous avons toujours insisté sur l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Moi, j'avais écrit pas mal de choses là-dessus. Et nous avons toujours aimé le souhait de voir une loi sur, on en a peu parlé, sur l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Mais ce n'est pas suffisant. Faire des textes et des choses. Parce que il y a une étude qu'on avait faite en 2003 à 2006, on a fait une étude avec la banque, avec la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies qui est installée à Addis Abeba sur le système de gouvernance en Afrique. Et on a comparé des administrations marocaines avec des administrations européennes. Et on a constaté qu'à 8h30, par exemple, au moment où les bureaux s'ouvrent, aussi bien le local que central, la marocaine arrive. Elle n'arrive pas à 8h30, elle arrive à 9h10. Parce qu'elle rencontre toujours ça. C'est son ami, il discute, etc. Il rentre dans son bureau, il s'installe, et il commence à travailler. Avant de travailler, il a sa copine qui vient la voir, etc. Il discute, le citoyen arrive. Là, j'arrive de Casa, je voudrais absolument régler un problème parce qu'il est là de consommation. Il ne marche pas. Et bien, je suis mal reçu. Il n'est pas encore bien installé dans son esprit. Alors, ou là, il me renvoie chez son supérieur, ou là, quelqu'un d'autre. Et au même moment, l'Allemand, à Stuttgart, 8h30, elle rentre à son bureau de travail. Si j'ai le citoyen, il le reçoit avec le sourire, etc. Elle est. Finalement, lorsqu'on a réfléchi, c'est pas l'administration marocaine qui est malade, c'est la société marocaine qui est malade. Et la dame dont j'ai parlé, elle a du plaisir à discuter avec sa copine qu'il a rencontrée. Il a fait des marches avec elle. Oui, il y a des autres dames. Parce que comme moi, je viens, je trouve deux dames qui discutent. Elle est chez nous. Elle a un genou qui. Elle a l'argent. Elle a un salaire. Elle a la justice, etc. Il parle de problèmes de la société. Les doigts, elle est affilée. Il dit, en fait, le machin, c'est gênant. Toute l'administration marocaine est comme ça. Alors, où est le mouchkid de le citoyen? Et on me dit, j'ai un citoyen, j'ai le tout. C'est l'ennemi qui arrive. Parce que, elle a dit, mes problèmes, j'ai dit, j'ai. Donc, c'est la société marocaine qui est malade. Les maladies, là, sont très profondes. Souvent, l'étude, les national tas, mais les mechakis, les chenoux, les smanovich. C'est la société marocaine qui est malade, c'est le salaire, c'est LH. On revient, c'est toujours le discours royal. LH. Parce qu'il y a quatre services publics, trois ou quatre, qui ne donnent plus satisfaction aux citoyens marocains. Contrairement, en Europe, l'allemand ou la française ou le français. Premier service, l'éducation. Et surtout, mais j'ai la rentrée. Et la rentrée qui coïncide avec le mois du Ramadan, nous avons un enseignement à plusieurs vitesses maintenant. Le public qui périclite, le public qui ne s'est. Il y a des écoles qui ferment, il y a des problèmes, c'est une richesse qui est coupée. Le privé qui est en avance. Et les gens n'ont pas les moyens. Ou des écoles. Et puis, quel l'enseignement étranger. Nous avons la mission qui est française. Maintenant, tu as les Belges. Même les Belges viennent nous apprendre le français. Alors, mais les missions, tu te rappelles. Les instants. Bon, tout le monde. Et voilà. Alors, les Américains. Les Espagnols. Alors finalement, le problème de l'éducation. Une Marocaine qui arrive à Skinaka. L'éducation ne lui donne pas satisfaction. La santé ne donne plus satisfaction. Mais la Kensa d'administration a un problème chez elle. Ayana ou la Kada,
جات لي زيرجونس كيفاش بغيتي تجي تخدم غدا في هذا المنيس راجل واش بغيتي انا نمشي عندها نشوفها هل بوان دو تخوازيام سيرفيس بوبليك نو دون بلوس ساتيسفاكسيون لا جوستيس لا جوستيس انت هي عاود عندها ان جوجمون ولا alors la justice elle n'a pas bien sûr les services fiscaux les impôts c'est le mari qui arrive ah Allah qui arrive alors les impôts j'ai venu alors le mari est malade la femme est malade elle va demain travailler donc la société marocaine est malade la société marocaine n'a plus confiance dans la plus confiance dans les services publics les services publics ne donnent plus satisfaction aux citoyens marocains et c'est mauvais. C'est mauvais. Ça, et ça, malheureusement, et ça, il y a un autre problème. Discours royal, ce sont des richesses qu'on perd. Ce sont des enjeux qui empêchent. Comment voulez-vous qu'on calcule la richesse avec des problèmes comme ça? C'est incroyable. Des écoles de la vraie, un lycée très important qui a occupé l'histoire de Casablanca et ferme cette porte. Moudibou Kita. Le lycée a fermé. Ferme cette porte. Un lycée public. Un autre collège qui a les écoles qui ferment. Arrachez-vous des hôpitaux qui ferment publics. Fais-nous un hôpital de quartier. C'est ce problème qui vraiment empêche de calculer la richesse de ce capital. CMHO.